Turbolet, qui est un biturbopropulseur de transport léger, qui va vous être maintenant présenté par un équipage de deux hommes. Le commandant de bord s'appelle Monsieur Schernek et son copilote est Monsieur Sklenar. Le Turbolet est donc un peu l'équivalent de ce que vous trouvez dans des compagnies comme Crossair. Crossair exploite des Swearingen, Metroliner, également des Saab 340. Seulement, il se trouve que quand on parle d'aviation à la manière des pays de l'Est, disons à la manière slave, il vaut mieux dire slave d'ailleurs parce que ça correspond beaucoup plus à un tempérament, à un état d'esprit, eh bien vous allez tout de suite comprendre qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conceptions de la présentation des avions que dans nos pays occidentaux où évidemment les systèmes économiques conduisent à toujours associer aux termes d'avion des termes comme rentabilité, économie, etc. Performance chez les Slaves. On n'oublie jamais que voler, c'est un art, que piloter est un art et qu'une présentation, même une présentation d'avion de ligne, peut et doit être belle. Vous voyez la configuration de l'avion, il est très très beau. Souvent, les avions conçus dans les pays slaves sont des avions qui sont d'un grand classicisme de ligne. Et le Turbolet, quoi qu'étant un avion de transport, ne fait absolument pas exception à la règle. Les deux moteurs s'arrêtent et on est en planeur. Alors si vous montrez ça à ces temps-ci en France à des gens de l'administration aéronautique française qui supervisent les meetings aériens, ils ont un infarctus aussi sec. Attention aux oreilles et aux décibels. Ces avions se sont illustrés d'une façon remarquable et historique lors de cette mission de représailles effectuée par les forces américaines sur la Libye, le bombardement de Tripoli la nuit, la chasse à Monsieur Kadhafi, c'était eux. Vous avez donc le F-111 de gauche avec les ailes dépliées vers l'avant, ouvertes, et le F-111 de droite avec les ailes repliées vers l'arrière. Quel superbe passage! En tout cas, c'est assez fantastique d'avoir eu pour un meeting comme celui d'Yverdon, d'avoir eu une représentation musclé, disons, de l'industrie aéronautique tchécoslovaque, puisqu'elle a envoyé trois avions. Ce traîneur à réaction, l'Albatros, qui est donc l'interprétation, à la manière des pays de l'Est, du thème de l'avion d'entraînement militaire. C'est donc un peu un équivalent du PC-7, PC-9 suisse. Alors l'approche, elle est belle au-dessus du champ de maïs. Là, elle est un petit peu de gaz pour remonter le museau rallongé, sauter le maïs, mais il faut se poser court. Attention au maïs. 30 cm au-dessus des maïs. On pose tout de suite. On monte un peu sur les freins. On surveille, on a baissé les volets en grand, on a sorti les aérofreins et on s'arrête en 400 mètres en demi-piste. Il faut plus de place que ça, effectivement, pour poser un Bonanza. Ça vous montre que quand il pourrait pas redécoller là quand même. Par contre là il était planté par terre. Il faut beaucoup de gaz pour faire rebouger l'avion. Alors il n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'à présent. Il va très probablement en faire parce qu'il enfonce un petit peu jusqu'à mi-pneu dans l'herbe. Voilà donc retour au parking de l'Albatros qui représente avec deux autres machines la présence tchécoslovaque ici. L'Albatros est donc un petit biplace, mais c'est un avion qui, quoique étant d'un pilotage relativement facile, c'est un avion qui permet d'aller très très loin dans la formation, puisqu'avec ça on fait le pilotage élémentaire, le pilotage avancé, le perfectionnement, la voltige, le vol en formation, la navigation, l'entraînement tactique,
l'entraînement en figure de combat. Disons qu'on fait toute la formation d'un pilote militaire classique. Et enfin, je prends le salut. Et décollage d'Eric Muller derrière. Avec son extra 230. Et maintenant, vous allez pouvoir regarder voler véritablement un homme qui est non seulement considéré comme un grand pilote de voltige, mais comme un maître au sens médiéval du terme. Maître avec M majuscule, avec un avion magnifiquement peint, blanc et rouge, aux couleurs suisses bien sûr, et d'autre part un ciel bleu inoubliable derrière, la fumée blanche, et bien voici le concert du prince du jour, Eric Muller, qui a ramené sa médaille d'or des championnats du monde il y a 3 semaines. Avec Eric, c'est non seulement la rigueur, la méthode, la technique, c'est aussi le sens artistique, c'est aussi le sens du rythme, c'est aussi l'humour qui s'exprime. C'est une capacité extraordinaire à jongler avec un avion, à s'en servir véritablement comme d'un instrument de dessin. Des Bretons, ceux-là je peux vous dire qu'ils sont contents, ils sont ravis. Les Bretons détestent le beau temps. Un Breton doit absolument, pour pouvoir s'épanouir, être mélangé avec beaucoup de bruine et de pluie. Et comme les Brittany Ferries sont 4 pilotes bretons, eh ben, ils sont ravis aujourd'hui, ils sont contents comme tout. Il fait frais, il y a de l'eau, il leur manque plus que les menhirs pour être heureux, mais à la limite, on peut dire que le Jura remplace les menhirs. Voilà donc pour un très beau passage, ce Fokker 100, dernière acquisition de la Swissair. Voici une machine qui consomme quand même 2200 litres par heure de vol avec ses 4 moteurs de 1100 chevaux. Elle est pilotée par André Dominé, qui est chef pilote et instructeur à la compagnie Air Inter. Son mécanicien navigant est Patrick Blancard, qui est lui aussi sur Airbus à Air Inter. Et au poste copilote aujourd'hui, vous avez Jean Salis lui-même. Et le lest est assuré par la présence de Madame Salis et de Madame Dominé. Voici donc le plus bel avion de tous les avions de collection d'Europe. Voilà le B-17, la forteresse. C'est un avion géant, pourtant il n'est pas si énorme que ça, il n'est pas très lourd comparé aux avions de ligne d'aujourd'hui, et pourtant à cause de sa forme, à cause de son esthétique, il apparaît toujours comme un des avions les plus immenses qui soit.
moteur, c'est un tube normal. Il n'y a rien de différent de cet hélicoptère que les tubes qu'on utilisait. Cet avion est construit pour des missiles contre-chars qui ne sont pas montés aujourd'hui. Vous voyez que la machine est presque aérobatique, peut faire de looping, peut faire de monte très vite et peut descendre aussi très vite et tourner très agile. Cet avion est de le 4e régiment de l'armée Air Corps à Detmold, République fédérale Allemagne. Cet avion, c'est un avion standard, rien changé pour la démonstration, sauf que les missiles ne sont pas montés. Et vous voyez ici à Yverdon une première, parce que cet avion et l'autre qui est parti pour Genève, c'est les premières deux versions de la Lynx. Version 7, en service avec l'armée Air Corps, l'armée de la terre britannique. Alors, une première pour Yverdon.